Marie, c'est moi, Edward. Edward ? Qui c'est, ce gars-là ? N'aie crainte, Anne. C'est un ami. Marie ne va pas bien ? Elle est malade. Et son enfant ? Ils l'ont emmené. Je sais pas où. Ah ! Oh ! Je sais que tu as très mal, mais nous devons rester discrets. Tu peux marcher ? Viens, appuie-toi sur moi. Je peux pas. Fouillez chaque cellule. C'est bien, continue. Tu vas t'en sortir.
Je t'abandonnerai pas. Accroche-toi. Ça sert à rien. Y'a personne ici! Je te laisse pas ici. Jamais de la vie. Repose-moi, Edward. Je ne serai qu'un fardeau. Va-t'en. C'était pas censé se passer comme ça. Pas toi. C'est moi qui devrais mourir, moi. J'ai fait mon devoir. Et toi, Edward ? Si tu viens avec moi, j'y arriverai. Marie ? Je serai avec toi, Kenway. Toujours. Dispersez-vous ! Fouillez toutes ces cellules ! Qu'est-il arrivé à Marie ? Est-elle morte ? Qu'est-ce qu'elle a ? Oh non ! Oh Seigneur ! Que vas-tu faire maintenant ? Plus rien n'a de sens. Tu ne l'as pas mérité, mais elle te va bien. Bonne fortune à toi, Edward Kenway. Montre d'abord ton argent.
Ça te convient? Durant toutes tes années passées ici, tout ce que tu as pu faire n'est rien à côté de ce que j'ai accompli. Parce que tu es un homme bon, Edward, voilà. Et la bonté est un fléau. C'est ma prise, Robert! Prends-la-moi! Tu te souviens de mon credo, petit? Que la vie soit aussi joyeuse que courte. Le monde n'a rien d'autre à offrir. Alors prends tout ce que tu veux et meurs avant que les autres ne fassent de toi un fou. Donne-moi ça. Allez, petit, viens le chercher. Je vais te montrer, sale chien. Je vais tout... Du calme, jeune chiot. Retourne donc dans ta niche. Tu n'as pas assez de tripes pour te mesurer à ma folie. Robert ! Bienvenue à bord, Kenway. Les prises, le pillage et l'aventure nous attendent. Ça te tente ? Hors de mon chemin, Ben. On trinque à la liberté, les gars. Longue vie aux gentils hommes de fortune et aux femmes de petite vertu. À un monde où les voleurs n'ont rien à envier à tous les rois qui nous piétinent. Nous, gentilshommes de fortune, jouissons d'une grande satisfaction, du plaisir et de l'aise, de la liberté et du pouvoir. Comment un homme doué de raison pourrait-il refuser une telle vie? Car sachez que j'ai plongé les mains en eau trouble et qu'en les retirant, j'ai compris qu'il valait mieux être commandant que simple matelot! D'un pâtre, déploya ses puissantes ailes et s'empara d'un pauvre agneau pour l'emporter jusqu'à son maître. Volant non loin de là, le jackdaw assista à la scène et se persuada que lui aussi disposait d'une telle force et d'une telle adresse. Alors, dans un grand mouvement d'ailes et de plumes, le jackdaw fondit sur un imposant bélier et planta ses griffes dans sa toison. Mais lorsqu'il tenta de s'envoler, il comprit que ni sa taille, ni sa force ne lui permettait de mener à bien cet exploit. Et alors que le jackdaw redoublait d'efforts, le bélier lui ignorait encore sa présence. Non loin de là, de l'autre côté du pré, le pâtre sourit en voyant le pauvre oiseau se démener. Il courut jusqu'au jackdaw, le captura et lui sectionna les ailes. Le toit venu, il offrit le jackdaw. Pas plus de 2 ans! Tu me l'avais promis! Tu es parti! Quand j'avais le plus besoin de toi! Mais tu m'avais, moi! Pourquoi tu ne rentres pas? Je ne te rends pas heureux? J'y suis presque, Caroline! Je t'en prie! Il faut que j'y arrive! Tout ce que tu fais est motivé par le défi, Edward! Ce n'est pas le défi qui m'anime, Marie! C'est le courage! Le courage de faire quoi? Tous ceux qui comptaient dans ta vie ont disparu! Allez tous au diable! Je peux y arriver! T'es une brute! Tu détruis tout alors que tu pourrais construire! Devenir quelqu'un, être fier de ce que tu fais! Laissez-moi tranquille! Tu dois changer, Edward! Tu dois changer de vie avant qu'il soit trop tard! Capitaine Kenway, tu ressembles à un morceau de pudding. Mon Dieu. Oh, j'ai la tête embrouillée. Debout. Tu m'as mis dans le pétrin, Day. Tu m'as laissé seul avec Robert. Je devrais être furieux de te revoir ici. Mais en fait, ça me fait vraiment plaisir.
Moi aussi. Et tu vois que ton jackdaw est toujours en un seul morceau. Où va-t-on mettre le cap? Tu t'en vas? Oui, Edward. Compte plus sur moi pour te suivre. Adé, écoute. Quand ton cœur et ton esprit seront prêts, va voir les assassins. Je pense que tu comprendras. Vitesse! Envoyez tout le monde!
drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? Heard I in the morning. Wait up, she rises. On se dirige droit vers la gare. Les cacatois éliminés.